Chroniqueur touche à tout, Fabien Cloutier. Toute une mission. Eh oui. Ah, le retour du bec. Ouais. Bon, là, on jase. J'y tenais. Bon, moi aussi. Puis, c'est qui se passe de beau? Ben, je sais pas si t'as remarqué mon look aujourd'hui. Métal? Ouais, ben c'est ça, j'ai mis mon T-shirt de Gorgots pour faire contrepoids à ma tuque de... La voix? Oui! Dis-moi pas que t'es à la voix! Écoute, tu vois, à la voix, c'est parfait, parce que t'as... Oui. Si tu veux te souvenir des chanteurs qui sont passés là, ouais, ils les mettent toutes ben en oui, rentrant. Ben oui, tu vois, il y en a beaucoup, hein? C'est parfait. Il y a des pétards, c'est grand, de la fumée, ça brasse, c'est grand. T'as Charles Lafortune... Lui-même? En personne, quand oui, même. Oui. Et les toilettes chimiques à la voix sont vraiment plus propres que celles de Woodstock en Beauce. Alors, plutôt que m'attaquer bassement à la voix, j'ai choisi plutôt de leur rendre une forme d'hommage avec un quiz. Je suis content, c'est vrai, les seuls chroniques où on s'entend bien. Deuxième affaire, qu'est-ce que je gagne si je gagne? Si tu gagnes, tu gagnes ma tuque de la voix. Okay. Mais ça, ça voudrait dire aussi que je la ramène pas à mes enfants. Et mes enfants aiment la voix. Parce que la petite enfance, c'est le public cible de la voix. OK, je vais essayer de pas gagner. Fait qu'on part! Question 1. Le soir où je suis allé à l'enregistrement de la voix, j'ai amené mon ami Luc Boucher. Pas le Luc Boucher! Oui, oui, oui. Si tu observes bien cette photo de Luc Boucher, tu vois que Luc a un très gros pli de tête. Oui. Et en agrandissant la photo, on voit très bien son pli de tête. Donc, dans ce pli, en y regardant de très près, on peut déceler A, l'inspiration de Marc Dupré. Quand même. B, le sourire de la Joconde. Ben. Ou C, le virus Ebola. Il y en a que le virus Ebola. Non, ce qu'il fallait dire, c'est on ne fait pas de blagues avec le virus Ebola. Mais pourquoi? Tu trouves ça drôle, toi, l'Ebola? Non. Si Pavlov mourait de l'Ebola, tu trouverais ça drôle? Non. Non. Bon, ben Pavlov, c'est pas drôle, mais des milliers de Noirs qui meurent de l'Ebola, c'est drôle. Prochaine question. Luc et moi avons été témoins d'une fille de TVA qui se promenait là, sur le parterre pour mettre des spectateurs assis dans les estrades. Ouais, et il y en a une qui a dit à sa collègue, « Ça me prend deux caméras wise. » C'est épouvantable. En langage télévisuel. OK. Que veut dire « Ça me prend deux caméras wise? » Oh, une difficile. A. Arrive-moi pas avec deux grosses. B. Toutes, sauf des coiffeuses du Saguenay. OK. Ou C, personne qui a participé aux deux premières saisons et que les gens ont déjà oublié. J'irai avec C. C'est ça. Yeah! Merci! Mais je garde la tuque. OK, OK. Bonne voix.